Il est perfectible, mais c'est tout de même un formidable outil, un véritable espace d'échange régulier entre tous les partenaires. Le programme contribue à l'intégration de l'espace Caraïbe et répond de ce fait à l'aspiration de nos populations. Interreg is a great program. It's still a great tool in spite of some of its imperfections. It is truly a real space for regular exchanges and contacts and partnership between all the partners. The program further contributes to the integration of the Caribbean space and responds to the aspiration of our people altogether. Faut-il le rappeler, en 2009, lors de la crise sociale qui frappa la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, on retrouve parmi les revendications du LKP ce désir assumé d'une plus grande intégration de la Guadeloupe dans la Caraïbe. No need to remember how in the year 2009, during the major social upheaval crisis led by that struck Guadeloupe, French Guiana and Martinique, led by the LKP, we find among their claims this desire to have a greater integration of Guadeloupe in the Caribbean. C'est ainsi qu'à la suite des États généraux de l'Outre-mer sera inséré dans la loi du 7 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane un volet permettant non seulement aux territoires français d'Amérique d'adhérer en leur nom propre aux organisations régionales du bassin, mais également de pouvoir positionner des agents au sein des postes diplomatiques de la zone. It's after this major crisis that later in the law of July 7, 2011, the local authorities of Martinique and French Guiana were given jurisdiction to enable them as French territories of the America to become membership of the in their own name of various bodies in the region of the basin, but also to be allowed to position themselves and have agents and relay officers in the diplomatic post in the area. C'est ainsi que la région Guadeloupe, sous la présidence de Victorin Lurel, puis de Madame Josette Borel-Lincertain, devenue le 31 août 2012, membre associé de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, organe régional de l'Organisation des Nations Unies. This is how the Guadeloupe Regional Council under the presidency of Mrs. Josette Borel-Lincertain became on the 31st of August 2012 an associate member of the Economic Commission for the ECLAC, which is the regional organ for the Organization of the United Nations, then an associate member to the ACS on the 14th of April 2014. Puis membre associé de l'Association des États de la Caraïbe, le 14 avril 2014, nous le voyons s'inscrire ensemble pour faire face aux défis du développement de notre territoire est une volonté forte des Guadeloupéens. All this shows you that taking up the challenges of the development of all our territories has been a profound commitment among the Guadeloupéens. Il faut rappeler que Rémi Nsouta, qui représenta la Guadeloupe à la Conférence des Indes occidentales à Saint-Thomas en 1946, appelait de ses voeux la mise en place d'une coopération entre les îles de l'Amérique. Nous devons beaucoup à Rémi Nsouta, ancien maire de Saint-Claude. Je salue la présence du maire de Saint-Claude parmi nous. Où nous nous trouvons aujourd'hui, nous lui devons cette foi inébranlable dans nos forces endogènes pour sortir du mal développement. Let's remember Rémi Nsouta, who represented Guadeloupe during the West Indian Conference in St. Thomas held in 1946, where he was expressing his strong desire to have the setting up of cooperation between the various islands of the Americas. We owe a lot to Rémi Nsouta. He was then the mayor of St. Claude, where we're here today. And actually, I want to greet the mayor of St. Claude, who is with us today. Rémi Nsouta has this indefectible faith that our local forces had to come together to get us out of this underdevelopment and maldevelopment. Il avait compris que le développement de la Guadeloupe ne pouvait se construire durablement qu'à partir de ses ressources humaines et naturelles et au sein de son environnement géographique, la Caraïbe. En une phrase, il soulignait un paradoxe fondamental qui caractérise encore trop souvent nos situations de dépendance économique, beaucoup de misère au milieu de ressources naturelles illimitées.
Rémy Nassouta had understood that the development of Guadeloupe could not be sustainable if it did not use all the human and natural resources that were to be found, not only locally, but also in its natural geographical environment, meaning the Caribbean. To sum it up in one sentence, he was underlining the fundamental paradox that there is, and much too much so, in our dependency situation in our economies. Much want, much misery among innumerable resources, natural resources, abundant resources. Nous devons donc lever définitivement ce paradoxe mortifère, appuyer notre développement sur nos atouts, comme nous l'a aussi enseigné Danny Bébé-Gisler, qui a toute sa vie œuvré pour faire reconnaître le créole. Notre langue créole, véritable rhizome, vivace et féconde, qui relie nombre de nos îles, faisant fi de toutes les frontières, qu'elles soient physiques ou administratives. We have to go to deal away with this paradox that leads us to our death. Let us rely on our resources and assets for our development now. As also Danny Bébé-Gisler taught us, all her life she worked relentlessly so that Creole as a language should be recognized as a noble language. Our Creole language is a rhizome. It is there, it is alive, it is productive, and it relates all our islands. It is borderless, whether it is physical or administrative borders, Creole joins us. C'est Danny Bébé-Gisler qui, avec d'autres, nous a enseigné que le principal instrument de notre émancipation, c'est nous-mêmes. Avec vous, territoire des États de la Caraïbe, nous partageons une unité de destin économique insulaire, territoire sensible au dérèglement climatique et devons faire face aux mêmes difficultés en matière d'approvisionnement énergétique. It was Danny Bébé-Gisler who also taught us that the main instrument for our emancipation was within ourselves. And therefore, with you, territories and states of the Caribbean, we do share a unity in our destiny, in our island economies, as territories that are sensitive to climate changes, attract climate frailties, and that have to take up of their own the same way their energy supply. La Guadeloupe est résolue à apporter sa contribution à la vision partagé par vous tous ici, dans lequel la promotion de l'économie verte et bleue est mise en avant pour aboutir à faire de l'espace des Petites Antilles la référence mondiale en matière de territoire durable. Sa triple appartenance caribéenne, française et européenne doit être abordée de manière pragmatique, car à l'instar de la Martinique et de Saint-Martin, elle offre à la Guadeloupe de réelles opportunités pour son développement et nourrit la contribution qu'elle entend porter au sein de l'OCO. Guadeloupe is definitely committed to contribute to the vision that we all share here. In this vision, we want to promote green and blue economies. We want to push it so that our space in the Lesser Antilles becomes the actual global reference for sustainability of territories. The triple belonging of Guadeloupe to the Caribbean, to France, and to Europe must be tackled in a very pragmatic way, because just like Martinique and Saint Martin, this tripod offers Guadeloupe real opportunities for its development and nurtures the contribution that Guadeloupe wants to contribute and provide to the OECS. L'éducation, la formation, la promotion de l'excellence du système de santé, l'autonomie énergétique, la valorisation raisonnée de notre riche patrimoine naturel et de la biodiversité, le renforcement des capacités de nos territoires à répondre aux défis environnementaux. La mise en œuvre effective de ces projets structurants doit s'appuyer sur une coopération décentralisée, agile et pragmatique. Decentralized cooperation, something swift, something pragmatic, effective, is essential in the matters of education, training, promotion of excellence in the health system,
energy autonomy, valorization, sustain of our natural and heritage, our biodiversity, the reinforcement of human capacities in our territories, and as a whole to answer all the environmental challenges that we have to face now. La coopération régionale n'est pas un accessoire. Nous la pensons indissociable de l'action politique. C'est d'autant plus naturel que nous partageons bien plus qu'une proximité géographique. Je rejoins Patrick Chamoiseau lorsqu'il dit très justement que malgré le multilinguisme, il y a une unité culturelle de toute la Caraïbe qui est patente. Regional cooperation is nothing offhand and on the side of the road. We think that there can be no political activity if there is no regional cooperation. This is altogether natural because we share much more than being close neighbor geographically. And I agree with Patrick Chamoiseau when he said quite rightly that in spite of our multilingualism, it is a cultural unity that we have throughout the Caribbean and that makes us unique. Entre Derek Walcott et Edouard Glissant, l'un en langue anglaise et l'autre en langue française, il y a une unité de vision, une unité de perception, une connivence au niveau de la vision du monde et de l'examen de la condition humaine aujourd'hui. Là est l'essentiel. Nous retrouvons dans cette assertion l'essence primale de ce que nous sommes. Between Derek Walcott on the other hand, on the one hand, and Edward Glissant on the other hand, one of an English language, the other one French, there's a unity in the vision. There's a unity in the approach. There's a complicity at the level of the vision of the world and how we position ourselves as human beings today. This is where the essence of our being is. We find ourselves in this approach as the primary essence of who we are. Nos auteurs nous démontrent que nous nous retrouvons une fois gratté de la couche superficielle du vernis, qui donne l'illusion à l'observateur peu attentif que l'on pourrait nous distinguer, nous diviser. La culture, notre culture, n'est pas un auxiliaire ornemental. C'est notre point de convergence, reliant le génie propre à chacun de nos territoires et sans lequel nous ne serions que poussière dans le monde ballotté par les vents. The writers are demonstrating that we have to find ourselves together jointly once we remove the crust of the superficial varnish that gives us the illusion that we are separate and that those observers that are not very well aware could see and that could make them think that we're different and that we're separate and would even want make them want to divide us. Culture. Our culture is nothing as an ornament. It is where we come together. It is. Did he stop there? Balloté par les vents. Yes. It is where we find ourselves, where there's our conversion, where the genius of the people in each of their territories come together. Without this genius, we would just be dust in the world that are swung forth and back by various winds. Nos populations sont solidaires par nature. L'entraide a d'ailleurs toujours été au cœur de nos sociétés et c'est en ce sens que nous devons penser et agir. La Guadeloupe partage une forte communauté d'intérêts avec les États membres de l'OACO. We won. There's solidarity by nature among us. Working with one another actually has always been something paramount among our societies. And that's how we have to think and act. Guadeloupe has a strong sharing of this community of interest with the member states of the OECS. Cette ambition a été juridiquement confortée par le droit interne français à travers le Code général des collectivités territoriales. Celui-ci stipule en effet que la région française de la Caraïbe qui le souhaite ont la possibilité d'adhérer aux organisations régionales de leur zone géographique
après avoir sollicité les autorités de la République à ce sujet. Our ambition was actually backed up by an internal law voted by the French through what we know as the General Code of Territorial Collectivities that provides, and I quote, that the French region of the Caribbean who so desire may exercise the possibility to become members or consider the possibility to become members of regional organization in their local environment after requesting permission from the authorities of the French Republic about it. End of quote. Je remercie les membres du Conseil régional de la Guadeloupe qui, en assemblée plénière le 7 septembre 2018, ont voté unanimement la délibération me donnant mandat pour saisir les autorités de la République française dans le cadre des négociations pour l'adhésion de la Guadeloupe à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale en qualité de membre associé. I want to thank all the members of the Regional Council of Guadeloupe who, during a plenary meeting on the 7th of September 2018, unanimously voted during their deliberation a mandate to enable me to request the French Republic as part of the to provide us with the possibility of becoming a member of the OECS as an associate member. Je remercie aussi Monsieur l'ambassadeur Philippe Ardanaz, ambassadeur de France pour les pays de l'OECS, et Monsieur Jean-Bertrand Nilam, ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, pour leur action, détermination et décision dans l'aboutissement de ce processus d'adhésion, aux côtés de ma deuxième vice-présidente, Marie-Luce Panchard, et de Diana Piron. En effet, en date du 20 novembre 2018, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a donné son consentement au projet d'accord final autorisant l'adhésion de la Guadeloupe à l'OECU. I wanted particularly to thank Honorable Ambassador Philippe Ardanaz, Ambassador of France for the OECS countries, and Jean-Bertrand Nilam, Ambassador Delegate to Regional Cooperation in the Antilles and French Guiana, for their deep commitment and definite activities, decisive to enable us to reach to the membership process. Indeed, on the 20th of November 2018, the Ministry of Europe, did he say that? And the Foreign Affairs gave its consent for us to become members, or at least giving authority for us to request membership of Guadeloupe in the OECS. Notre adhésion à l'OECU. Merci. Thank you. Notre adhésion à l'OECU vise avant tout à consolider notre lien déjà très fort avec les États membres de cette organisation. Par exemple, dès la première période de programmation d'Interreg, nous avons pu faire émerger de nombreux projets structurants. Les pays de l'OECU constituent nos principaux partenaires en matière de coopération régionale. 65% des crédits du programme Interreg sont consacrés à la coopération avec ces pays membres. Becoming a member of the OECS targets essentially to consolidate our link that is already very strong with the other member states of this organization. For example, since the first period of the first programming Interreg period, we were able to tackle various structuring projects. The OECS countries constitute our main partners in regional cooperation. 65% of the credits of the Interreg program are dedicated to cooperation with the member states of the OECS. 20 ans après, nous pouvons convenir que le bilan est convenable. Pour la période 2000-2006, le programme était doté d'un budget de 24 millions et a permis le financement de 89 projets. Pour la période 2007-2013, le programme était doté d'un budget de 63 millions et a permis le financement de 60 projets. Pour la programmation actuelle 2014-2020, le fonds est doté de 85 millions. À ce jour, 22 projets ont été financés pour un niveau de programmation de 67%. Interreg is now 20 years. 20 years after, we can say that it's a fairly good assessment that we can make.
For the 2026 period, the program had a budget of 24 million euro and enabled to finance and fund 89 projects. Then for the next period, 2007-2013, the program had a budget of 63 million euro that enabled us to finance 60 projects. For the current programming period, 2014-2020, the fund has received 85 million euro. Today, 22 projects have been funded for a level of programmation of 67%. Cette adhésion visera donc a donné un cadre politique et stratégique à une coopération qui, à bien des égards, existe déjà, et ce, de manière opérationnelle sur le terrain. Mais avant tout, notre adhésion témoigne de l'attachement indéfectible des Guadeloupéens à notre Caraïbe. Becoming a member, therefore, shall give the actual political framework and strategic framework for a cooperation that has, in many regards, existed for quite a while, and in the field, in a very operational way, but above all, becoming a member shall testify our attachment, the undeniable, relentless attachment of Guadeloupians to our Caribbean. Monsieur le directeur, vous avez parlé d'amour. Oui. L'amour dans le cœur peut tout changer. Honorable Director, we did mention about love. Yes, when it is love that you have in your heart, things may change. L'amour dans le cœur a changé l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'amour que nous portons pour nos frères caribéens, l'amour qu'a apporté Madame Panchard et Madame Perrin permet aujourd'hui notre intégration dans l'OECO. Yes, it is through love that South Africa was changed. Yes, it is love that brought us together to our brothers from the Caribbean. The love that Madame Panchard and Madame Perrin nurtured for the Caribbean helped us go closer to the OECS and become member of the OECS. We can do everything with love in your heart. Thank for your consideration. Thank you for having us with you. Thank you very much.